Hey, comment ça va, Jean-Luc? Ah, parle-moi ça, pas ça, ça va pas trop bien. Ben voyons, qu'est-ce qu'il y a? Poisson d'avril, ça va super bien, je t'ai eu, avoue que je t'ai eu, avoue que j'ai joué un bon tour, avoue. T'es ben niaiseux, c'est quoi ce tour-là, là? C'est super pas drôle, super plate, super pas élaboré, c'est comme très très mauvais. Ben là, excuse-moi, moi je suis pas Thierry Latruite, moi. Ben c'est qui ça, Thierry Latruite? Tu connais pas l'histoire de Thierry Latruite? Ben non. Ben voyons donc, c'est lui, le poisson d'avril, là. C'est de lui que tout a commencé. Ben de quoi tu parles, là? Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Écoute, ben ça. Ça, là, c'est une histoire assez extraordinaire, là, qui a commencé il n'y a pas si longtemps, alors qu'une petite fille du nom d'Avril Lamotte remonta Thierry Latruite au bout de sa ligne. Au premier contact, ce fut le coup de foudre et les deux devinrent inséparables. Thierry devint donc le poisson d'Avril. Il vivait le parfait bonheur lorsqu'un beau jour, Avril fut puni par son papa pour avoir fait une bêtise. Thierry, qui n'acceptait pas qu'on puisse faire du mal à son aimé, décida de se venger. Et il alla trop loin! Thierry fut arrêté, jugé et condamné à perpétuité pour son horrible crime. Quelques semaines plus tard, le poisson d'Avril s'était échappé. Le lendemain de son évasion, on retrouva le juge qui l'avait condamné, noyé dans un bocal. Depuis ce jour, personne n'a jamais revu Thierry Latruite, communément appelé le poisson d'Avril. Aïe, 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 c'est toute une histoire, ça! Oh ouais, monsieur. Mais comment ça se fait que je n'avais jamais entendu parler, moi, de cette histoire-là? Parce que c'est même pas vrai! J'ai tout inventé l'histoire! Poisson d'Avril encore! Poisson d'Avril, faites deux fois, je te pogne! Hey, t'es pas correct, là! C'est pas correct ce que tu me fais! Hey, t'es vraiment le champion des poissons, toi! On peut te faire croire n'importe quoi! Hein? Arrête! Avoue qu'elle était hâte, mon histoire, avoue! Elle était même pas. Elle était ordinaire!